Et polytol listo il y a un produit tel comme tiné, il y a un chips qui appelle ban cellulose, il y a un additif aussi. Et il y a encore un solvant comme tiné dans les autres solvants. Et nous on appelle à 7h02 du matin. Et de ce fait, tout de suite, nous déployons nos ressources qui sont dans pour lui, station pompier pour lui intervenir, sur de l'équipe. Et aussitôt, quand le Pichelin finit de faire son assessment, nous trouvons qu'il pour besoin d'assistance encore ressources en termes véhicules et personnel. Et là, station Triolet finit mobilisée, suivie par station Piton. Et nous commençons à maîtriser du fait. Et là, nous trouvons qu'il nous besoin aussi l'assistance, nous turntable ladder. Et nous servons à turntable ladder comme une water tower, quand nous réussissons à gagner accès à travers l'impôt qui est là. Nous servons de l'eau et après, quand nous finissons suffisamment la mousse, c'est-à-dire forme, firefighting foam, nous appliquons forme. Et avec beaucoup de difficultés, nous réussissons à contrôler ça différent. Là, l'air qui m'a fait cause avec vous, là, différent finit, l'eau is working on débris, ça veut dire différent débris. Donc, l'équipe peut déblayer et en même temps, je peux arroser. Et peut-être jusqu'à tantôt, pour peut-être nous finir maîtriser complètement. Et ce que je suis happy, c'est que je n'ai aucun blessé. Tout passe correct. Et nous avons l'assistance depuis la MPA. Nous provide nous forme concentrée depuis ce firefighting unit. Malgré nous pas servir, mais nous avons ça de réserve parce que nous servons forme, it is a continuous application. Quand nous mettons forme, nous allons continuer à aller. Si nous faisons un break, je fais là pour une recognition. Et nous aussi nous avons un personnel, environ 50 personnels qui travaillent chez les lieux. Nous avons nos 8 fire trucks. Et nous avons nos 3 foam tenders qui équipent avec la mousse. Ça aussi un travail. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.